Bonjour, nous sommes à Shanghai pour ce nouveau numéro de Parlons-en. La perle de l'Orient, le Paris de l'Orient, les qualificatifs ne manquent pas pour cette ville cosmopolite, une des plus grandes mégapoles du monde, qui n'était qu'à l'origine un petit port modeste et village de tisserands. Comme beaucoup de villes chinoises, le visage urbain de Shanghai change, évolue, se transforme, se modernise à une grande vitesse au fil du temps, ce qui a entraîné des changements inéluctables dans les manières de vivre au quotidien. J'ai souhaité, pendant mon séjour à Shanghai, rencontrer M. Chen Liangming, ancien professeur de français, directeur doyen du Centre de langue et littérature française à l'Université de Fudan, et M. Thomas Osterweil, architecte français travaillant et vivant à Shanghai depuis 2010 dans la reconversion des locaux existants et la construction durable, pour évoquer avec eux le Shanghai d'autrefois et le Shanghai de demain. Professeur Chen est Shanghaïen de souche. Thomas, Shanghaïen d'adoption, il vit à Shanghai depuis 2010. Quel est le quartier à Shanghai que vous aimez le plus ? Disons qu'à Shanghai, effectivement, c'est une très très grande ville. Mais pour quelqu'un comme moi, je pense que de Hongqiao au Bund, Waitan, c'est un peu là où on retrouve une échelle humaine qu'on peut avoir à Paris, par exemple. Et contrairement à beaucoup d'autres villes où on peut marcher d'un bout à l'autre et toujours être émerveillé par des petites boutiques, des bâtiments différents qui reflètent un peu l'histoire de Shanghai. C'est la raison pour laquelle vous avez choisi de vous installer à Shanghai par rapport aux autres villes chinoises, par exemple, je pense à Beijing, où l'urbanisation est complètement différente. C'est sûr que Shanghai et Beijing sont très très différents. Et moi, de toute façon, j'étais venu visiter un ami en 2004 et qui lui était à Shanghai et j'avais tout de suite aimé en fait. Il y a, comme je disais, on retrouve un peu une échelle humaine qu'on peut avoir à Paris, moi étant parisien. À Beijing, effectivement, il y a certains endroits qui sont très historiques, mais la ville est tellement étendue et en grande partie par des grandes avenues intraversables. Donc effectivement, Shanghai est, pour moi, était plus agréable, plus en agréable. Tout cas pour les promenades, pour, et puis vraiment y vivre, pas seulement y travailler. Et professeur Chen, Shanghai que vous avez connu petit est forcément une ville très différente par rapport au Shanghai que nous voyons aujourd'hui, que Shanghai que Thomas a connu en 2010. Oui, moi, Shanghai que Thomas connaît, c'est plutôt une nouvelle Shanghai, enfin une nouvelle ville. Quand je suis né à Shanghai, ben, quand je me rappelle bien mon enfance, c'est que dans mon enfance, la ville n'était pas telle qu'elle est aujourd'hui. Il n'y a pas autant de gratte-ciel, autant de tours dans la ville. Il n'y a que des maisons, disons, à étages. Vous savez bien que dans la rue Nankin, il y a un hôtel en chinois, Guoji Fandian. Le mot anglais, c'est Parc International. C'était pendant longtemps le bâtiment le plus haut, le plus élevé de la ville. À ce moment-là, il y avait des Chinois qui venaient de province justement pour voir ce grand bâtiment qui est presque unique en Chine même. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'un petit frère parmi toute cette masse de grands frères, avec la grandeur, la hauteur des maisons en fait. Donc la ville a beaucoup changé. Ouais. Vous avez grandi dans quel quartier? Et aujourd'hui, est-ce que vous vivez toujours dans le même quartier ou vous avez J'ai déménagé. J'ai pendant longtemps habité le quartier côté de la place du Peuple, parce que je suis né dans ce quartier-là. Et c'est un peu le quartier populaire de Shanghai que tout le monde connaît. Le quartier qui est situé justement entre l'ancienne concession française et l'ancienne concession anglo-américaine.
entre bon. Et après, ben, il y a à peu près 15 ans, j'ai déménagé parce que c'est mon université qui m'a donné un appartement. Donc j'habite maintenant à côté, pas très loin de la gare de Shanghai. Mais donc les conditions d'habitation sont beaucoup parce que j'ai mon appartement qui occupe une superficie en F3 en fait, avec deux salons. Le salon pour la rencontre, le salon pour, enfin, la salle à manger en fait, vous voyez, avec une superficie de 126 mètres carrés. Quand même, c'est mon ancien appartement, c'était tout petit. La construction, la superficie constructive. C'était dans un vieil immeuble avant. Avant c'était un vieil immeuble. Dans la place. Dans ce qu'on appelle le Shikumen. Shikumen, c'est ça. Qui est caractéristique de style d'habitation à Shanghai. Tout à fait, un style d'architecture propre d'origine, je dirais, de Shanghai. Qu'est-ce que vous préférez? Alors, trouver une superficie plus grande dans un immeuble moderne, là où vous vivez aujourd'hui, ou ça vous manque quand même l'habitation que vous avez connue pendant votre enfance? Parce que j'imagine que le mode de vie change aussi par rapport aux différents styles d'habitation. Il y a une très très grande différence. Les chambres, enfin, l'appartement n'est pas très grand. Mais il y avait une communication entre les voisins. Il y a eu une vie du quartier, il y a une fraternité vraiment entre les voisins, les gamins que nous étions, on se rencontrait, on jouait ensemble, ça là. Mais il y a vraiment une vie animée et une vie amicale entre les voisins, entre les petits copains, entre les voisins. Mais aujourd'hui, avec une superficie d'habitation beaucoup plus grande, avec si vous voulez, les installations beaucoup plus modernes, le problème c'est que oui, on vit, il y a le confort. Mais le problème, il n'y a pas vraiment ce confort spirituel, c'est-à-dire il manque de communication entre les voisins. Il nous faut entrer, la porte est fermée et on reste à la maison. Sans pourquoi, donc il y a simplement dans l'ascenseur, on se dit simplement bonjour, bonsoir, c'est tout. Ben, il n'y a pas d'autre communication. Mais là, c'est, oui, pour les conditions d'habitat, enfin disons les installations de vie, c'est moderne, il y a le confort. Par exemple, dans les vieilles habitations, il n'y avait parfois même pas d'équipement sanitaire. Ah non, à l'époque. Et comment les gens vivaient à cette époque-là, sans les toilettes? C'est sans ça, il y a de quoi à raconter. Donc dans ce genre de vieilles maisons, il n'y a pas un système sanitaire, donc il n'y a pas de toilettes. On se servait soit pot de chambre, soit ce qu'on appelle de seau à excréments. Et il n'y avait pas de cuisine non plus. On se servait de ce qu'on appelle un petit four à charbon pour faire la cuisine dans un couloir un peu obscur. D'ailleurs, on partage le couloir. Souvent, il y a deux ou trois foyers avec d'autres familles. Là, ça, c'est un problème. Donc, si jamais il y a encore un petit lavabo qui installe toujours à l'extérieur, qui a l'usage commun pour plusieurs familles, en fait. Bon, au point de vue des conditions de vie matériellement, ce n'était pas très satisfaisant. Mais je me rappelle toujours cette amitié entre les gens. Là, c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui. Donc, vous avez parlé tout à l'heure. Alors, il y a peut-être maintenant le confort moderne, le confort qui correspond aux standards d'hygiène, de la vie de tous les jours d'aujourd'hui. Mais il manque un peu cet échange, cette vie communautaire qu'il y avait avant. Est-ce que aujourd'hui, on peut concilier les deux tout en conservant cet esprit-là et améliorer justement le confort dans ces vieilles habitations, vous qui travaillez dans la reconversion des locaux existants, donc justement pour éviter un peu de détruire tout, de tout raser. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, quand on va dans une tour, on retrouve un petit peu l'anonymat des grandes villes européennes, mais je pense aussi que certaines personnes préfèrent ça aujourd'hui. Pendant longtemps, il y avait toujours la proximité, les gens aimaient ça, il y a une nostalgie là, mais quelque part aussi parce que dès que quelque chose se passe, il y a 15 voisins aux alentours qui regardent, qui s'interrogent, qui commencent à entrer en discussion. Je pense peut-être c'était comme ça avant ou maintenant ça l'est plus, mais il y a les gens qui préfèrent aussi l'anonymat. Mais en ce qui concerne les vieilles maisons
Effectivement, avec des installations vétustes, que ce soit la cuisine ou... Bon, là, vous racontiez où il n'y avait pas du tout de toilettes, c'est encore... À Beijing, il y a les, ce qu'on appelle les Siheyuan. Aussi, on rencontre ce même problème. Il n'y avait pas d'installation sanitaire, il y avait des toilettes publiques à l'extérieur, dans les routons. Il y a longtemps, en France aussi, il n'y avait pas d'installation sanitaire et puis on allait dehors. Mais, ou même, il y avait les bains, ce qu'on appelait les bains. Il y en a toujours à Paris, même si c'est devenu des nightclubs, où il y a encore des bains, où c'est des saunas peut-être. Mais, Je parle de ça parce que pour les touristes étrangers qui viennent visiter la Chine, bien sûr, on recherche ce cachet-là, cette authenticité. Pour les étrangers, il y a un amour de la nostalgie, tant qu'ils ne le vivent pas eux-mêmes, bien sûr. Donc, on vient à Beijing, on vient à Shanghai, très souvent on entend ces touristes étrangers dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est dommage de détruire tous ces vieux quartiers, toutes ces habitations-là, de perdre ce cachet de l'ancien pour se retrouver dans ces immeubles sans charme, bétonnés. Mais j'entends souvent aussi, de l'autre côté, des habitants du quartier dire « Mais on veut du confort moderne, on veut avoir des toilettes rien que pour nous, on veut avoir notre cuisine à nous. » Et donc, il y a vraiment ces deux dilemmes-là. On arrive à concilier les deux déjà, aujourd'hui? Oui, je pense, parce que, et on le voit clairement. Nous, au départ, quand on est arrivé avec ma femme, on habitait à Shanghai Shinsun, qui est en fait Huaihai Luwu Lumuqilu. Je connais bien ce... Voilà, donc juste à côté des ambassades américaines, iraniennes et la résidence de l'ambassadeur de France. Et plus loin, c'est le consulat français à Shanghai. Et en fait, nous, on avait rénové, donc c'était une vieille maison comme celle-ci ici, en bas, pas là-haut. Et donc on avait rénové tout le dernier étage où on avait effectivement notre salle de bain tout à fait moderne. On avait une cuisine moderne avec un four, une plaque à 4. Tout le confort occidental. Le confort occidental. Effectivement, le problème, c'est le plus on fait ça, le moins de personnes vivent dans ce bâtiment-là. Donc il y a tout à fait, il y a plein d'endroits, même moi je connais des amis qui habitent, qui ont toute la maison. Donc là ils ont les trois étages, mais effectivement les loyers sont très chers, donc il y a souvent beaucoup d'étrangers qui se permettent, parce qu'ils sont envoyés par leur compagnie en tant qu'expatriés, qui peuvent se payer ça. Le problème c'est, donc c'est possible, le problème c'est à quel coût. Donc effectivement, pour le prix d'une maison qu'on garde et qu'il y a une personne, une famille qui habite dedans, et alors qu'avant il y en avait quatre, effectivement, après, il faut grimper. Donc, c'est un peu un cas difficile. Mais on l'espère que dans les centres historiques de Shanghai, comme dans le centre à Paris, c'est pas parce que tout d'un coup, on peut faire une tour et gagner 10 fois plus d'argent qu'on doit laisser les gens le faire. Donc, il y a un peu ce dilemme. Mais le confort, c'est quelque chose à quoi on aspire toujours, avec la modernité de la vie. On se réjouit du confort, ça c'est le désir de tout le monde. Mais je crois qu'il y a deux côtés, donc le désir, le confort, disons, sur le plan matériel. Et aussi, c'est vraiment, à mon avis, surtout pour les gens de mon âge, on espère toujours avoir une harmonie, une communication, une vie communautaire, voilà, c'est le mot communautaire, entre les voisins. Là, c'est quelque chose, je crois, c'est plus important. Parce que, à mon avis, la vie, c'est pas seulement manger, boire, sur le plan matériel. Il y a encore une vie spirituelle. Manger, boire avec les amis. Avec les amis, c'est ça, oui. Garder ce lien communautaire dans les bâtiments, par exemple ici, qui est un bâtiment de bureau, c'était avant des bâtiments qui n'étaient pas résidentiels, mais on a créé, comme vous voyez juste derrière, un potager urbain. Et en fait, la majeure partie de ce potager, lui, est opérée par des gens qui sont dans cette allée, en fait. Qui ont le droit de venir, qui ont une petite allée et donc qui ont une petite file et qui ont le droit de venir planter leurs carottes. Donc quelque part, il y a cette ligne communautaire que vous recréez dans ce nouveau lieu reconverti. Tout à fait. Même comme vous voyez en bas de l'atrium, qui est un espace public pour ses bureaux, il y a un café et même
Les gens s'y retrouvent, même pour fumer des cigarettes et pour discuter quand il fait très froid dehors ou trop chaud dehors. Est-ce qu'en apportant du confort, on peut quand même faire quelque chose d'écologique? Le vrai problème en Chine au niveau de bâtiments résidentiels, c'est la fenêtre. Le problème, c'est que l'habitude est déjà formée. Quand on veut créer du froid à l'intérieur, on fait du chaud à l'extérieur. Et quand on veut du chaud à l'intérieur, on fait du froid à l'extérieur. Est-ce que les panneaux solaires pourraient être froids? En centre-ville, pas vraiment. En Chine, contrairement en France, on utilise quand même beaucoup les appareils d'air conditionné et aussi le chauffage pour avoir plus frais, pour que ce soit plus frais en été et plus doux en hiver, parce que le froid en hiver, surtout dans le nord de la Chine, c'est quand même un froid rude. Donc du coup, est-ce que en améliorant ce confort, en apportant du confort, on peut quand même faire quelque chose d'écologique? Parce que là, surtout, je me trouve aujourd'hui à Shanghai et je sais que ces jours-ci, à Beijing, on atteint vraiment les pics de pollution atmosphérique et c'est très lié aussi avec la consommation, le chauffage collectif qui commence à chaque année avec l'arrivée du froid. Là, nous nous trouvons sur le toit du Central Pod, mais en bas, il y a l'Atrium. Hier, je suis déjà venu prendre un café et il fait très frais, c'est très agréable, pas trop chaud, pas trop froid, c'est juste ce qu'il faut. Et pourtant, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas d'air conditionné, ni de chauffage, il n'y a rien, c'est juste naturel. Oui, donc nous, en fait, effectivement, on est un cabinet d'architecture, mais aussi un cabinet d'ingénierie environnementale. Sur tous nos bâtiments et sur même des bâtiments d'autres architectes où on est engagé juste en tant qu'ingénieur environnemental, on arrive à optimiser l'enveloppe du bâtiment afin de réduire les consommations énergétiques. Notre but en tant que construction durable n'est pas quelque chose de hippie en fait, c'est quelque chose en fait de très scientifique. On fait tout par simulation informatique qui nous permet de savoir justement où sont les problèmes. Que ça soit une exposition, si vous avez un bâtiment qui est exposé au sud et qui n'a pas de protection solaire, mais votre air conditionné est doublé instantanément. Alors que comme on est relativement au sud, on peut avoir une casquette de 50 cm sur une fenêtre qui est suffisante pour nous protéger d'avril à septembre. Et là, c'est ça, sur une fenêtre, et 50% de moins d'air conditionné. D'accord. Maintenant, l'atrium aussi, c'est quelque chose d'assez formidable dans un climat comme Shanghai. Ça, on a calculé aussi, ça marcherait très très bien à Beijing. En fait, ça nous permet d'avoir l'éclairage naturel sur l'élément intérieur, les circulations autour de l'atrium. Et là, par exemple, pendant la journée, il n'y a jamais d'éclairage pas d'éclairage artificiel. Non. Et c'est très beau, c'est très beau, c'est magnifique avec la lumière rien naturelle de tel qui entre. Que l'éclairage naturel, bien sûr. Mais aussi, en hiver, par exemple, on peut fermer l'atrium, le soleil rentre à l'intérieur, il fait zéro dehors et à peu près 12-13 à l'intérieur. Pas grand-chose. Mais quand il fait zéro, qu'on rentre dans l'atrium et qu'il fait 12-13, c'est très confortable. Ouais, la moitié de l'année après l'hiver, on arrive à avoir une ventilation naturelle. Donc on arrive à ouvrir, l'air frais dehors, il rentre dedans, on n'a pas besoin de système mécanique. Là, il n'y a aucun problème. Donc par ces gestes-là au quotidien, du coup, on peut faire une économie d'énergie énorme. Sans avoir à rajouter même de l'isolation. D'accord. Même des photovoltaïques, on n'a pas besoin de turbines à vent, on n'a pas besoin de ce genre de choses. En fait, nous, on part déjà sur le naturel qui coûte, si on arrive dès le début du design à l'intégrer, coûte zéro. Coûte zéro. Enfin, une casquette peut coûter 200 quoi par fenêtre, mais après. Là, il y a une question qui m'est venue, c'est que, bon, là, bon, c'est très efficace. Hein, bon, parce que d'ailleurs, depuis ces jours-ci, ben, un sujet à Shanghai, c'est le chauffage central à Shanghai. Parce qu'au nord de Chine, il y a toujours chauffage collectif. Mais à Shanghai, c'est plus d'un chauffage, disons, qui est installé individuellement. Tout à fait. Donc, oui. Ce système que vous avez créé ici, ben, c'est très efficace, ça se voit, parce que ça fait l'économie, c'est écologique, à mon avis. Mais comment vous pensez que ce système puisse être étendu au grand pour public. Les habitations Par exemple, la protection solaire, ça c'est quelque chose d'assez phénoménal. Le vrai problème en Chine au niveau de bâtiments résidentiels, c'est la fenêtre.
La fenêtre, en fait, la fenêtre est l'infiltration de l'air par la fenêtre. En fait, vous fermez la fenêtre et en fait, surtout, le pire en Chine, c'est les fenêtres glissantes. Là, la fenêtre glissante, c'est impossible. Vous fermez, vous mettez une allumette et vous voyez que le vent, en fait, par toutes vos fenêtres, l'infiltration de la fenêtre typique chinoise coulissante, donc beaucoup de gens dans les habitations comme ici, c'est comme si vous aviez un trou à peu près de cette taille-là. Oui. Et alors, on peut imaginer un trou de cette taille-là et vous vous chauffez, vous climatisez. Ouais, tout part par là. Donc, il faut complètement être en... Il y a une perte d'énergie. Ah oui, énorme, énorme. Et ça, c'est le vrai problème. Après, l'isolation, on est très loin d'être nécessaire. C'est pas on n'est pas en Suisse où il fait moins 15 dans la montagne. Non, il fait zéro en hiver. Et il fait effectivement parfois très chaud, deux semaines de l'année. Mais sinon, c'est pas un climat extrême. Avant l'isolation, il faut une bonne fenêtre. Une bonne fenêtre qui, quand on ferme, est ferme et qui soit au moins double vitrage. C'est vrai que quand vous dites ça, moi... Ça, c'est 105 watts par fenêtre. Oui, c'est pas très cher. Je pense effectivement au mode de vie, au quotidien des Chinois d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on vit avec les fenêtres fermées, les portes fermées. Comment vous vivez aujourd'hui chez vous? Est-ce que vous laissez les fenêtres ouvertes? En hiver, franchement, on reste dans la maison, les fenêtres fermées. Tout est fermé. Tout est fermé. Bon, oui. Bon, je laisse un espace ouvert pour le courant d'air quand même. Dans l'ensemble, en hiver, parce qu'on a toujours l'appareil d'air conditionné, bon, donc, et en hiver. Mais j'essaie de moins l'utiliser parce que je crois que c'est pas bon. Parce que avec cet appareil de clim, bon, à l'intérieur, il fait très très sec. Bon, j'aime pas. Souvent, lorsque j'allume, disons, l'appareil, bon, je mets toujours un peu d'eau dans la salle pour avoir vraiment la fraîcheur, oui. Mais en été, on a l'habitude de laisser les fenêtres ouvertes pour l'air courant. Bon, oui, oui. Mais c'est vrai. Mais c'est un cercle vicieux, non? Parce que plus on utilise, plus il y a des gens qui utilisent ça, plus la ville devient chauffée, non? Tout à fait. En fait, le problème, déjà, l'air conditionné tel qu'il est utilisé ici, qui est très peu utilisé en Europe, est en fait un air conditionné très vétuste. C'est un système américain qui est inventé d'ailleurs par un ancien de mon université à New York. Et en fait, quand on veut créer du froid à l'intérieur, on fait du chaud à l'extérieur. Tout à fait. Et oui, quand on veut du chaud à l'intérieur, on fait du froid à l'extérieur. Donc, dans les ruelles et ce genre de choses, on est complètement, on accroît le problème. Oui. Aussi, c'est ce qu'on oublie sur le chauffage, le vrai. En ce moment, à Paris, il y a ce forum. La COP21. Ah oui. On est en plein dedans. Oui, tout à fait. Ça a mis très très longtemps avant que les gens s'aperçoivent qu'il y avait vraiment une cause à effet. Mais juste pour revenir sur le chauffage aussi, d'utiliser le chauffage par ce qu'on appelle par convection, donc par vent en fait. Oui, c'est ça. Et vraiment 3 à 4 fois moins physiquement confortable qu'un radiateur à radiation. Donc là, on est à radiateur, on le sent. Par radiation, c'est beaucoup plus confortable et ça consomme beaucoup, beaucoup moins d'énergie aussi. Donc l'air conditionné comme solution pour tout, c'est une très mauvaise solution. Oui, c'est un cercle vicieux. Tout à fait. Le problème, c'est que l'habitude est déjà formée. Changer cette habitude, bon, il faut avoir fait beaucoup d'efforts. C'est vrai, le système avec, disons, le soleil naturel, tout ça là, c'est très, très bon. On veut partager, disons, un espace pour profiter de cette lumière, bon, avoir la chaleur. Bon. Mais tu fais qu'à Shanghai, bon, partout en ville, dans les villes chinoises, il y a toujours tous ces appareils d'air conditionné individuels qui sont attachés toujours contre les fenêtres, à côté des fenêtres. L'habitude est déjà formée. Et donc, surtout, je pense que ce que vous avez dit... très peu de gens sont au courant de justement de cette réalité-là. C'est ça, ouais. Ce mauvais choix de fenêtre, ce problème d'isolation. Alors il faut déjà sensibiliser les gens qui soient au courant de cela et puis leur apporter une solution. Alors quand on pense à la solution, est-ce que il va forcément avoir des voix qui vont s'élever en disant mais oui c'est bien beau mais c'est pour les riches, c'est pour les gens qui ont des moyens. Mais pour les gens qui n'ont pas de moyens, est-ce qu'on peut quand même avoir un confort tout en étant écologique? Disons que si on n'a pas, nous, parce qu'à Huaheilu, donc nous, on avait une vieille filtration dans la salle de bain, par exemple tout simple,
coûtait 500 kwai pour mettre une nouvelle fenêtre. Et après ça, on avait, puisqu'en fait, le problème, c'est en hiver, s'il y a l'infiltration et qu'il fait zéro, le lendemain, je rentre dans ma salle de bain, il fait zéro. Donc, je commence à allumer. Ça, c'est une solution de riche. Ensuite, je commence à allumer les radiateurs à fond. Ou je fais couler l'eau à fond, l'eau chaude pour qu'il y ait la bain de vapeur et qu'ensuite, ça soit confortable. Donc, on croit qu'on ne paye pas maintenant, mais on paye plus tard, de payer 500 kwai pour une fenêtre. Alors, peut-être ça devrait être subventionné aussi par l'État, peut-être. Mais après, il faut aussi une question, c'est un choix personnel. Parce que je vois aussi beaucoup de personnes qui refusent de payer 500 kwai sur la fenêtre et qui préfèrent avoir une grosse voiture, si l'on peut dire. Oui, donc c'est aussi la sensibilité écologique de chacun. Il y a un autre choix, par exemple, les panneaux solaires. Oui. Pour avoir la chaleur. Parce que, bon, il faut, pour les panneaux solaires, il faut aussi un investissement important à peu près. J'ai lu le document pour installer les panneaux solaires. Bon, il faut à peu près un budget qui revient vers à peu près entre 250 et 300 000 yuan. Bon, si jamais les riches, ils se sensibilisent, ils se lancent dans cette compagnie écologique. Est-ce que les panneaux solaires pourraient être choix ? En centre-ville, pas vraiment, malheureusement. Ouais. Puisque, parce qu'il y a très peu de toitures, la toiture est partagée encore une fois par 15 personnes, qui a le droit de quoi. Si j'habite dans une tour, qu'elle soit belle ou pas, le toit est finalement très moindre. Si vous mettez l'orientation de votre panneau solaire est hyper importante. Si vous mettez votre panneau solaire vertical sur une façade, même façade sud, vous n'avez en fait que 50% du gain potentiel. De la maximisation du gain potentiel du solaire. En fait, ce qu'on oublie avec le photovoltaïque, c'est que si vous êtes façade nord, c'est mort. Vous avez deux petites heures en été, le matin et le soir. Donc l'idéal, c'est soit vous avez 30% d'inclinaison pile façade sud, pile côté sud, là vous avez 100% de votre argent que vous venez d'investir. Sinon, vous n'arrivez, ce qu'on dit, achète ça, t'inquiète, dans 5 ans, tu auras fait ton argent. C'est pas vrai. Seulement dans des cas très très précis où on peut atteindre ça. Si vous le mettez sur une façade verticale, ça vous mettra 12 ans. Donc après, le panneau est cassé dans 12 ans. Encore une fois, il faut le savoir. Tout à fait. Appelez-moi, je vous aiderai. Une société en plein bouleversement, qui évolue, qui se modernise. Et dans cette modernisation rapide, parfois il y a des gaspillages. Comment vous voyez la ville, comment vous la voyez dans 5 ans, dans 10 ans, comment vous souhaiteriez qu'elle soit ? Oui, une ville comme celle de Shanghai, évidemment, il y a un bel avenir. Moi, je crois qu'avec son essor économique, la ville se trouve en plein essor économique. Le problème de gaspillage, ça existe vraiment parce que, franchement, j'ai vu dans la rue, dans la maison, on jette facilement les choses. Lorsqu'on fait des achats, on ne pense pas trop. On achète, on jette. Consommation. Il y a une consommation, c'est ça. Donc là, il faut former une bonne habitude de consommation, acheter ce qu'on veut. Voilà. Donc une ville avec des gens plus sensibilisés, plus engagés dans cette... économie de tout en fait, économie d'énergie, économie de matière. Et vous, comment vous imaginez Shanghai? Est-ce que vous allez vivre encore quelques années à Shanghai? Oui, nous on aime beaucoup Shanghai et nous on est là pour encore 5-10 ans. Et effectivement, comme dit Monsieur Chen, je pense qu'il y a un grand futur pour Shanghai. Pendant maintes années, avec un GDP en Chine qui était énorme, un PIB en Chine qui était énorme. Beaucoup de choses ont été faites à Changsha, à Chongqing, à Dalian. Maintenant que ça se calme un petit peu plus, comme disait Xi Jinping, on est plutôt sur la consolidation de ce que l'on a. On commence à réfléchir un petit peu. Comment vraiment, pourquoi est-ce qu'on va détruire ce bâtiment alors qu'on peut le garder? Et ce qu'on oublie, c'est que la structure d'un bâtiment comme celle-ci ici à Central Pod, c'est 40 ans, juste si on arrive à la garder, les dalles, les poteaux, tout ce qui est bétonné, le sous-sol, les fondations, c'est 40 ans en équivalence d'émissions de CO2 de l'utilisation du bâtiment. Donc l'éclairage, le chauffage, l'électricité et l'air conditionné pendant 40 ans, ça c'est l'équivalent en émissions de CO2 de cette structure. Donc si on arrive à garder des vieilles structures au lieu de les détruire pour refaire autre chose,
Là, c'est là qu'on peut être le plus vert, en fait. Merci, merci à vous deux. Merci pour cette matinée très agréable en votre compagnie ici sur le toit du Central Pod à évoquer le Shanghai d'avant, le j'avais connu, le Shanghai d'aujourd'hui que vous connaissez, et puis à réfléchir sur le Shanghai de demain. Merci.